Il était une fois de belles betteraves, soigneusement cultivées, qui poussent dans les champs. À l'automne, elles furent récoltées et emmenées à la sucrerie. Pour réaliser le sucre, les betteraves sont lavées avec soin, râpées, trempées dans un bain d'eau chaude pour en faire sortir le sucre. Un jus est obtenu, purifié et concentré en sirop de sucre. La recette continue avec le sirop mis à bouillir 3 fois de suite pour obtenir les cristaux de sucre et des sirops de sucre. Les différents sirops et mélasses sont rigoureusement sélectionnés pour assembler un mix de substrat, milieu de culture pour permettre aux cellules de levure de se multiplier. Les cellules de levure se multiplient. Et ensuite, une centrifugation sépare la crème de levure du milieu de culture. Le milieu de culture est concentré dans des évaporateurs basse consommation pour obtenir des produits dérivés aux spécifications bien précises. Les produits dérivés sont destinés à des utilisations particulières, comme le viprotal pour nourrir la vache, la vinasse pour fertiliser les champs, les extraits potassiques pour fabriquer des engrais. Il était une fois les betteraves soigneusement cultivées qui poussent dans les champs.